Good morning, allez, Iden Nessus, aujourd'hui, le Lunishimat Richard Ben Fortune Mazal et Claude Israq Ben Fortune Mazal. Si vous souhaitez vous aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez Israq Zenit Éternel. Nous étudions Masrat Beitza, Périgimel, Mishnah Chet. Omer Adam Lachadro, Maleli Kli Ze, Aval Lo Bemida. Rabbi Yehuda Omer, Yemaya Kli Shel Mida, Lo Yemale En. Maase Beaba Shaul Ben Botnit, Shayam Emale Midotav, Me'erev Yom Tov. On continue le sujet ouvert dans les précédentes Mishnayot, où on parlait de la manière de pas faire du commerce, c'est-à-dire de se. Comment dire, d'aller acheter, prendre de la nourriture chez l'épicier pendant Yom Tov. Quand on est bloqué, imaginez, vous avez un ami qui est épicier, qui vend chez lui des œufs, ou qui vend, et puis vous retrouvez à Yom Tov bloqué sans œufs, ou sans huile. Il a un magasin, vous voulez aller le prendre et le payer pour après. Alors là, c'est le sujet qu'on évoque maintenant depuis quelques Mishnayot, on n'a pas le droit d'acheter de manière flagrante. C'est-à-dire, on a le droit de se ravitailler et puis de venir le payer ensuite. Il nous fait confiance. C'est peut-être pas la peine d'évoquer le sujet de l'argent. Maintenant, même lorsque je vais donc lui dire, passe-moi, je t'apporterai 10 shekels après la fête, badaï que ça s'ouvre. Ça, on n'en parle même pas. On l'a déjà dit depuis longtemps. Maintenant, la question, elle était de savoir, de quelle manière est-ce qu'on peut malgré tout parvenir à obtenir, à savoir combien je lui dois. On lui doit, c'est pas toujours évident, c'est un sujet pour une bouteille d'huile. Alors de nouveau, on va savoir que je lui dois une bouteille d'huile. Imaginez que je pourrais pas lui prendre 1 litre d'huile, par exemple. C'est le sujet de notre Mishnah en l'occurrence. Et justement, alors, Omer Adam Lachaveru, un homme pourra dire à son ami, Malélikliseh, remplis-moi ce verre, remplis-moi cette bouteille, ce récipient. Avalobamida, mais il ne pourra pas lui tendre une mesure. Et on explique qu'il y a deux cas de figure différents, en fait. Il y a tout d'abord, c'est-à-dire, si je prends juste un ustensile, qui fait même 1 litre, on sait pertinemment qu'il fait 1 litre, mais tant que il n'est pas gradué, c'est une bouteille, c'est une carafe d'eau, peu importe, on sait que ça a une mesure bien nette, même mieux, d'accord, mais c'est pas un clic qui est spécifique pour la mesure, dans ce cas-là, j'ai le droit d'aller lui demander de me le remplir, et puis après, Yom Tov, je lui dirais, tu sais, ce clé, il fait 1,5 litre, donc je te paye pour 1,5 litre d'huile. D'accord? Il y a, maintenant, ajout du partenaire qui nous dit, on la Gemara, que même si on parle d'un clé, que un jour ou l'autre, on utilisera cet ustensile en guise de mesure pour servir tout le monde même. Malgré tout, pour le moment, c'est un ustensile de table, c'est un ustensile pour plein d'autres choses, mais c'est pas un ustensile de mesure, on a le droit de mesurer avec lui. À la différence de l'autre, que l'obamida, on n'a pas le droit de prendre un cli, qui est une vraie mesure avec laquelle le chenvani, l'épicier, il sert tout le monde. Rabbi Yehuda Omer Imaya Kli Shel Mida, Lo Yemale Enu. Littéralement, on a du mal un petit peu à comprendre ce qu'il dit Rabbi Yehuda, on va expliquer après. Il dit comme ça, Imaya Kli Shel Mida, si c'était un ustensile un ustensile prévu pour la mesure, eh bien Lo Yemale Enu, il ne pourra pas le prendre. En fait, le bartender explique qu'on parle d'un cas où il y a une mesure que, naturellement, c'est un ustensile qu'on utilise aujourd'hui en tant que carafe d'eau, mais en fait qui est gradué, par exemple. Et qu'on sait pertinemment qu'un jour ou l'autre, quand à l'épicerie on aura cassé l'ustensile pour se servir, on reprendra celui-ci, on le fera passer là-bas. Donc il est quelque part, il est préposé à être un ustensile de mesure. De ce fait, Rabbi Yehuda, il me dit non, alors, tu n'auras pas le droit d'utiliser, la lacha n'est pas établie comme Rabbi Yehuda, mais comme Tanakama, qu'on a le droit de l'utiliser. Soit pour conclure, en fait, on va selon le concret, sur le terrain, un ustensile qui est prévu pour mesurer, j'ai pas le droit de te dire remplis-moi une mesure, mais un ustensile qui n'est pas prévu pour mesurer, qu'on ne prédispose pas pour mesurer, eh bien, dans ce cas-là, on a le droit de l'utiliser, même si, concrètement, il a aussi écrit des graduations dessus, donc il n'est pas utilisé en tant qu'ustensile de mesure. Et je continue. Mais c'est Abba Shaul ben Botnit. On a eu une histoire avec Abba Shaul ben Botnit, un Tana. Shaya memale midotav me'erev yom tov venotnan le kuchot. Be yom tov. Lui, il remplissait ses midot
il remplissait ses mesures. Sabachol Ben Matnit, qui est un tana, c'est aussi un épicier. Et donc, du coup, il prévoyait des bouteilles d'olive, d'huile d'olive, par exemple, ou des bouteilles de vin. Il les prévoyait depuis la veille. Comme ça, Benotnan a le kuchot de Yom Tov. Alors, la Mishnah nous dit, il les remplissait depuis la veille de Yom Tov. Et comme ça, il pouvait les donner tel quel pendant Yom Tov. Quel était son problème à Bachol Ben Matnit? Pourquoi il a eu besoin de faire de les remplir depuis la veille? En fait, comme on a dit, c'est un tana. À Yom Tov, tout le monde venait lui poser des questions, il devait parler Belimoud, il devait donner des rachotes et tout ça. Et là maintenant, lorsqu'on vend quelque chose en liquide, c'est tout, il y a des sujets dans Babatra, on parle qu'il faut verser et attendre que les dernières gouttes vont couler. Sinon c'est du vol. Alors lui, puisque c'était un Tana, pendant la fête, il avait des rachotes à faire, il n'avait pas de temps à perdre à attendre que les midotes elles finissent de s'écouler. Du coup, il est remplacé depuis avant Yom Tov. D'accord? Ça, c'était pour Abba Shaul ben Motnit. Maintenant, il y a Abba Shaul Omer, un autre Tana qui s'appelle Abba Shaul, qui nous dit Af bemoed oseken mipne berure midot. Il dit Abba Shaul, il nous dit même pendant Chol HaMoed, il faut que tu dois agir ainsi, de remplir depuis la veille, mipne berure amidot, à cause des birure amidot. Des midot, du fait que tu dois vendre des mesures claires. Et on explique. Vous savez, si vous prenez du vin, vous allez le verser vite, il va faire un peu de bulle. Ou de l'huile, la même chose, ou plein de choses. Ça fait un peu de bulle au-dessus. Du coup, quelqu'un va acheter un litre. Vous allez pouvoir, si vous le versez vite, vous allez le remplir, c'est vrai, mais vous allez enfoncer avec de la mousse en haut, et ça va fausser la mida. Il y a une halakha, lorsqu'on vend quelque chose, il y a Even Shlema dans la paracha qu'elle nous dit de faire des mesures exactes. Elle nous dit aussi de faire attention lorsqu'on me vend avec le liquide, de ne pas prendre un ustensile par exemple trop étroit, de manière à ce que ça va faire monter le volume, parce que ça va faire de la mousse. Donc du coup, ça c'est les berurei midot, faire des midot brurot claires. Le Abba Shaul nous dit, tu sais quoi, à Chol HaMoed, les gens ne travaillent pas. Ils viennent tous, ils sont tous en train de manger chez eux, ils font que des repas familiaux et tout ça. Ils vont tous venir t'acheter pendant Chol HaMoed. Toi, tu vas avoir la pression au travail, dans le commerce, ou dans à l'épicerie. Tu n'auras pas le temps de patienter pour que les liquides que tu vas vendre vont s'écouler doucement. Tu vas forcément les verser vite, et ça va se remplir, ça va faire de la mousse, ça va fausser les midotes. Pour ne pas arriver à cette situation, Shaul avait l'habitude, et il suggère même de le faire, que depuis la veille de Yom Tov, tu remplis, depuis la veille même de Chol HaMoed, quand il n'y a pas de pression à l'intérieur au travail, tu remplis à ce moment-là calmement tes bouteilles de manière à ce que l'écume va se diminuer. D'accord? Tu sais quoi? Histoire de remplir depuis la veille et d'attendre que ça s'écoule, c'est pas que pendant Yom Tov ou même pendant Chol HaMoed, mais c'est pendant tous les jours de l'année. Af Bechol, même dans un jour profane, il fera ainsi. Mipnei Mitsui Yamidot, à cause de Mitsui Yamidot, c'est Machim Mitmatse. C'est ce qui va se concentrer, les restes qui vont se réunir ensemble. Soit, la Gemara raconte qu'il y a eu quelqu'un, il y a eu deux tzadikim à Yerushalayim et deux Khenvani, qu'une fois qu'ils avaient fini de remplir, les gens ils étaient pressés de repartir avec leur verre, ils ont récupéré l'équivalent de 300 tonneaux de vin ou d'huile d'olive, je ne sais pas exactement. Il a 300 tonneaux en tout cas, il a récupéré avec tous ses restes, il les a tous rendus kadosh. La Gemara en parle. Il y a, donc, qu'est-ce qu'on apprend là? On apprend que, donc la nécessité que lorsque tu verses, de patienter, que tout finisse de s'écouler. D'accord? Dernier sujet de la Mishnah. Olech Adam et sel Chenvani Aragil Eslo. Un homme pourra partir chez son Chenvani, chez son épicier à qui il a l'habitude d'acheter. Donc qui va pouvoir lui prendre, lui payer plus tard, sans mentionner de l'argent. Vomerlo, il lui dit, Teni Beitzim, Vegozim, Beminan. Donne-moi s'il te plaît telle quantité de Beitzim. Là, il va regarder l'ordre d'un problème. C'est un grand chidouche. Jusqu'à maintenant, tu m'as dit que tu n'avais pas le droit de mentionner une mesure, tu n'avais pas le droit de dire un litre, donne-moi un litre de viande, donne-moi de lait, donne-moi 20 dinars d'argent. On n'avait pas le droit d'évoquer aucun chiffre de mesure ou d'argent. Mais par contre, Beminyan, en quantité, tu as le droit de le faire. Parce que là, chez Kanerer Balabait, l'Iyot, Mone Betor Beto, car tel est l'usage qu'un homme a l'habitude de compter à l'intérieur chez lui, c'est-à-dire
Je ne vais pas dire à ma femme qu'elle doit amener de la viande pour que je la cuisine. Amène-moi 20 shekels de viande. Dis-moi un paquet de viande. C'est quoi 20 shekels? C'est pas une manière de parler, donc c'est sûr que 20 shekels de viande, c'est un mot utilisé, c'est du jargon utilisé au marché. Et donc tu n'as pas le droit d'utiliser pendant une pause. Par contre, tu es en train de faire une omelette, et tu peux dire, donne-moi 3 œufs. On dénombre les œufs sans les assimiler à un acte de commerce. Donc du coup, c'est permis de le dire comme ça pendant Yom Tov, d'aller chez l'épicier et de lui dire donne-moi 5 œufs. Donc on parle qu'un épicier qui lui fait confiance et qui va pas. D'accord, il sait qu'il va être dans le pays, mais on a besoin de savoir la quantité. Il a besoin de préciser la quantité d'œufs qu'il lui vend. D'accord? Qu'il veut acheter. Chez Kenner Balabait, Liyot Mone Betorpoto, car tel est l'usage qu'un Balabait, même une personne simple chez lui, a l'habitude de compter les œufs, même chez lui, en disant passe-moi 3 œufs, passe-moi 5 œufs. Donc ça fait pas, c'est pas du jargon de commerce. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine.